You say that you work on several levels with a wide variety of parameters of writing and elements of play that operate in multiple fields. So could you tell us on what is your music based, really? Oui, c'est le travail sur la perception, en fait, qui est le moteur vraiment essentiel de mon travail de création. La perception, évidemment, au sens le plus large, le plus ouvert. C'est-à-dire la façon dont je peux amener les auditeurs à vivre comme un spectacle complet pour leur perception et puis leur imaginaire, ce qui n'apparaît au départ en fait que comme une proposition d'écoute. Je ne compose pas avec les sons. Que ce soit pour les instruments d'ailleurs ou pour le studio électroacoustique. Mais je compose vraiment avec l'écoute de l'autre. Je compose l'écoute. Dans ce sens que je ne cherche non à soumettre le public à un parcours purement auditif, mais à le rendre actif en jouant sur ses capacités perceptives, conscientes ou non d'ailleurs. C'est variable. Oui, oui, bah, il est d'origine hein, dans le disque. Enfin, je l'avais pas mal nettoyé, mais... Et la puissance, ça va? Ou tu voudrais plus fort? Bah, sur le début, je rentre avec un petit peu plus de présence, et après tu peux rebaisser. Oui, oui, voilà, faut... Après tu peux répartir tes niveaux normalement, mais juste le début de bien rentrer. Si on considère que ce qui nous atteint par l'un de nos sens, qu'il y en ait 5, 6 ou 7, hein, peu importe, mais si on considère que c'est perçu intérieurement de diverses façons par les personnes, par chacun d'entre nous, selon nos cultures, nos histoires personnelles, nos blocages, nos ouvertures, nos facultés d'imagination ou autres, alors, moi je pense que la meilleure façon de communiquer avec nos semblables, bah, c'est de leur proposer des directions tellement variées que chacun peut s'y frayer un chemin, son propre chemin. Ça ne veut pas dire musique aléatoire, musique ouverte ou musique du hasard, hein, c'est pas du tout cela. Ça veut seulement signifier qu'en fait, je prends modèle sur ce qui m'entoure, sur la vie, sur la nature, avec toute son abondance, sa générosité, sa diversité. Alors plus concrètement, je vais donner à chaque œuvre une direction, un sens, un projet dans lequel mes matériaux sonores et musicaux sont vraiment porteur de ce que ce projet de départ va véhiculer. Non pas comme message, évidemment, attention, mais comme sensation, comme potentialité perceptive.
Certains d'ailleurs pourront finalement intérieurement ressentir un moment de l'œuvre, soit de façon visuelle, ou plutôt tactile, ou plutôt auditive aussi, pourquoi pas, ou plus émotionnelle, ou alors plus abstraite, ou plus anecdotique. Moi je pense que ce qui émane vraiment d'une œuvre, dont le projet est clairement défini, conçu, pensé, travaillé et finalement réalisé, en dehors d'une pratique de spécialiste, hein, ça je précise, pas dans une pratique de spécialiste ou de technicien qui serait trop directement lié à la sphère culturelle, mais que tout ce projet vraiment pensé, travaillé, il apporte une cohérence et une richesse de perception qui, pour ceux qui la reçoivent, qui vraiment est un enrichissement, quoi, un épanouissement, quel que soit d'ailleurs leur parcours. Oui, ou plus. Qu'est-ce que vous avez ? Oui, c'est un peu théâtral, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux la mesure ? C'est quelle mesure ? Parce que ça dépend si j'ai marqué l'accent. Est-ce qu'elle fait la arco à la fin ou est-ce qu'elle garde jusqu'au bout le vertical ? Non, jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout. Ah ben, du coup, parce qu'elle fait la arco pour donner... Oui, c'est théâtral, hein, surtout. Oui, mais si elle ne fait pas l'arco, ça ne va pas donner du tout le son. Yes, and precisely. Which are the parameters you speak of? Pour moi, oui, tout peut devenir un paramètre d'écriture et d'élaboration. En fait, je ne réduis pas l'art sonore aux soi-disant paramètres de la hauteur, du durée, du timbre et de l'intensité, qui sont trop durablement enseignés dans les conservatoires et qui sont excessivement réducteurs et qui ne servent pas vraiment l'imagination. C'est vraiment comme si on limitait en cuisine tout à la protéine, glucides et lipides, alors qu'il y a tant d'autres éléments qui constituent cette cuisine. Alors selon le projet, qui n'est quasiment jamais un projet technique, je peux mettre l'accent sur le paramètre, par exemple, du rituel du concert, ou bien sur celui des habitudes des instrumentistes, ou encore... le paramètre de l'extrême, ou celui de l'attente, ou celui des espaces et des déplacements, ou sur le paramètre des états psychologiques, enfin, etc. Donc on n'est pas dans l'idée technique à ce moment-là. Et c'est bien à partir de tels paramètres qui trouvent leur traduction dans le concret sonore, qui est vraiment le concret sonore dans tous ses états et dans tous ses caractères, c'est vraiment à partir de ces paramètres-là que mon écriture se réalise et puis que l'œuvre prend forme.